Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo Investisseur Pro. Dans cette vidéo, nous allons voir que le prochain crash de la France et de l'euro va entraîner une faillite massive des entrepreneurs, notamment individuels, comme les professions libérales, et des entreprises, notamment les petites et les moyennes entreprises. Alors, lors du crash, je vous invite évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder ma vidéo sur le crash de l'euro et de la France. Ce qui va se passer, donc, va y avoir une fermeture des banques européennes. Ce sera temporaire, mais il y aura des morts. Et on ne sait pas quelles banques survivront et quelles banques fermeront. Et donc, après, on aura un reset monétaire, qui sera suivi donc d'un redémarrage du système financier sous une forme ou une autre. Et au niveau de l'économie française, eh bien, ce sera pareil. On a quasiment un arrêt lors du crash de l'économie et ensuite un redémarrage lent de l'économie française. Le problème pour les entrepreneurs, eh bien, ça va être la un effet biseau, c'est-à-dire là, il va y avoir une baisse très importante du chiffre d'affaires, mais les charges sociales et les impôts continueront, eux, à être prélevés, sachant que, eux, sont calculés sur l'année N-1 ou N-2. Et donc, si votre chiffre d'affaires baisse de 30, 40, 50%, alors que vos charges sont calculées sur l'année d'avant ou l'année encore avant, bien vous voyez bien qu'il y a un double effet, il y a un effet biseau, qui fait que l'entrepreneur va se retrouver en trésorerie totalement négative, et ce, quel que soit son niveau de revenu. Donc, que ce soit des entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires modestes, comme les entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires importants. Et le deuxième effet biseau, c'est que lors de la faillite des banques, eh ben, on a le système du bail-in, c'est-à-dire que ce sera une confiscation par les banques de l'épargne, à la fois privée, mais également de l'entreprise. Comme les banques seront dans un état épouvantable, eh bien, elles arrêteront tout simplement de prêter. Donc ce sera impossible pour les entrepreneurs d'emprunter pour payer leurs charges. Et par conséquent, eh bien, la majorité des entrepreneurs feront faillite. Tous ceux qui ne sont pas prêts aujourd'hui, eh bien, ils feront faillite tout simplement. Et le problème quand un entrepreneur fait faillite, c'est qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les banques vont saisir les collatéraux, notamment l'immobilier. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs ont fait des emprunts pour démarrer leur activité ou racheter un fonds de commerce ou une entreprise. Et souvent, les banques demandent un collatéral, donc une garantie, et parfois prennent donc par exemple la résidence principale en garantie. Et donc les banques vont saisir le collatéral puisque l'entrepreneur sera dans l'incapacité de payer ses mensualités de prêt par la faute des banques. Donc vous me direz, c'est complètement fou, mais c'est ce qui va se passer. Alors vous me direz, mais si la banque de l'entrepreneur fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que tous les prêts sont cessibles. Donc même si la banque de l'entrepreneur fait faillite, eh bien, elle va céder la créance, donc le prêt, à soit une autre banque, soit un organisme financier qui, lui, va payer, par exemple, 20% du montant de la créance en espérant récolter 100%. Hein. Donc, même si les banques font faillite, les mensualités seront toujours dues, que ce soit par votre banque, si elle existe encore, ou par un autre organisme financier, si votre banque a fait faillite.
Mais il n'y a pas que les banques qui viendront se servir, il y a également le fisc, puisque l'entrepreneur sera dans l'incapacité de payer ses impôts, et les organismes sociaux, comme la Sécurité sociale, l'URSSAF, le RSI, etc., qui, elles, également, viendront se servir sur la bête pour encaisser leur cotisation. Donc dans ce scénario, il y a vraiment une triple punition pour les entrepreneurs. D'abord, la faillite de leur entreprise, la confiscation de leur épargne, mais également de leur patrimoine privé. Donc, dans ce scénario, il est indispensable de se préparer. On va espérer que ce scénario n'arrive pas. Mais moi, je vous conseille de vous préparer pour ce type de scénario. S'il y a eu des lois votées pour le bail-in, ce n'est pas juste pour faire plaisir hein, à l'Assemblée nationale et leur faire voter des lois qui servent à rien. Hein. C'est que ça va servir. Hein. Ça va être mis en application. Donc la majorité des gens le comprennent d'un point de vue privé. Il faut comprendre aussi que ça va arriver d'un point de vue professionnel, comme c'est arrivé à Chypre. Hein. Les entreprises qui avaient des comptes en banque à Chypre se sont fait tout simplement confisquer leur épargne. Heureusement, il y a des solutions donc, qui vont nécessiter à la fois des changements structurels, hein, notamment pour ceux qui sont en entreprise individuelle. Et également des changements patrimoniaux, à la fois à titre privé et professionnel, pour anticiper ce type de situation. Voilà, donc ces stratégies, elles sont disponibles dans la formation Investisseur Pro, mais surtout dans l'entretien patrimonial, puisque chaque situation. Chaque entrepreneur, je dirais, a une situation différente, unique, et c'est pour ça que on peut trouver une solution vraiment adaptée lors de l'entretien patrimonial. Voilà. Donc, encore une fois, on espère le meilleur, on espère que l'économie française continue de tourner, que les banques ne fassent pas faillite. Mais moi, je vous conseille fortement de vous préparer au scénario du pire. On ne sait jamais, et je pense que moi, ça va arriver assez prochainement. Et donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour se préparer, parce qu'il y a des changements à faire qui sont importants, qui ne se font pas en un claquement de doigts, et qui demandent ensuite du temps pour produire leurs effets également. Voilà. Donc, amis entrepreneurs, regardez les témoignages des nombreux entrepreneurs qui ont participé à la formation. Il y en a vraiment beaucoup, hein, notamment des professions médicales, des entrepreneurs de tout style. Et avec eux, on a déjà mis en place des stratégies pour résister à un crash éventuel. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.